17 novembre 2019. Un patient est admis à l'hôpital de Wuhan, en Chine, pour une pneumonie. Un mois plus tard, ils sont 27 dans ce cas, puis très rapidement leur nombre augmente. Malheureusement, ce n'est pas une simple pneumonie. De nombreux agents pathogènes sont testés, aucun n'est positif. Le personnel de santé réalise que les patients et patientes sont touchés par une maladie inconnue. C'est le 31 décembre que les chercheurs et chercheuses arrivent à définir cette maladie comme une souche de l'espèce SARS-CoV de coronavirus. Avec le temps et la mauvaise connaissance de la maladie, la situation s'aggrave, d'abord à Wuhan, puis dans toute la Chine, jusqu'à concerner le monde entier à cause des voyages et rencontres entre personnes contaminées et saines. Sur le reste du globe, difficile d'en voir l'impact. Tous vivent leur quotidien. Ce n'est que 4 mois après sa découverte, mi-mars 2020, que la menace de cette nouvelle maladie, appelée Covid-19, a remis en cause le cours de la vie sur la totalité du globe et a inévitablement touché toutes les personnes et affecté tous les événements. En parallèle, deux membres d'Aitin se préparaient à participer en tant que bénévoles à un festival de cinéma, Ma mère sans mars, célébrant sa 30e édition cette année, les 13, 14 et 15 mars, et accueillant plus de 4000 visiteurs et visiteuses tout au long du week-end. Tout devait être parfait. La préparation des locaux avait débuté plusieurs jours en amont, les décors avaient été montés, la nourriture achetée, les différents services payés. Les restrictions du gouvernement qui furent annoncées à la fin de la préparation, à 4h de la cérémonie d'ouverture du festival, arrivaient trop tard pour simplement annuler l'événement. Cela aurait entraîné énormément de pertes. La seule solution était alors d'adapter l'événement aux nouvelles restrictions, en annulant une grande partie des festivités liées à l'anniversaire du festival, malgré le déchirement que cela représentait pour les organisateurs et organisatrices. Ces décisions furent suivies, le lendemain soir, d'une interdiction totale de regroupement, entraînant la fin prématurée de la 30e édition de Ma mère sans mars. Face à ces changements rapides, il est en effet difficile de se positionner, et cela amène la question, comment une crise sanitaire affecte-t-elle une société ? Une crise d'une telle ampleur affecte tous les secteurs d'activité. Et le premier moyen pour chacun et chacune de s'en rendre compte est de mesurer l'effet sur nos propres vies. Pour Aitin, cela a commencé sur le trajet vers Mamers. Le jour du début du festival, les bénévoles canets, on est partis de Caen, il était à peu près midi. Et le voyage se déroulait très très bien jusqu'à ce que l'une d'entre nous reçoive un appel d'une de ses parents. Qui lui expliquait qu'il y avait eu des nouvelles restrictions gouvernementales et donc qu'il était interdit de faire des réunions de plus de 100 personnes dans un même bâtiment. Évidemment, le festival qui attendait à peu près 5000 personnes sur les 3 jours était bien au-delà de cette restriction et donc on a tous pensé à un moment que le festival allait être annulé. Nous, de notre côté, on voulait pas faire demi-tour tant qu'on n'avait pas la confirmation que le festival était annulé parce qu'on voulait pas abandonner notre poste, quoi. Si le festival tenait toujours, on ne voulait pas arrêter. On a bien fait puisqu'on a reçu dans l'heure qui suit un appel de Lison Vaseux qui nous expliquait que le festival était pour l'instant maintenu, qu'il y avait déjà une réunion de crise qui avait lieu, que c'était pas très clair la situation, mais que normalement, si nous on était déjà partis de Caen, elle allait pas nous demander de faire demi-tour et au contraire qu'on allait pouvoir venir. Les conséquences de cette maladie commençaient déjà à se faire ressentir sur le travail. Il a alors fallu s'adapter aux mesures, ce qui n'a pas été une tâche facile. Une fois que la réunion s'est terminée, pour Aitin, donc Valentin et moi, on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de travail sur la durée du festival, puisque notre rôle, c'était d'interviewer les invités. On savait qu'il y avait à peu près 4-3 invités qui étaient venus, mais pas plus, et que tous les autres avaient appelé pour annuler leur venue. Et on s'est dit qu'on allait utiliser notre temps pour couvrir l'événement, donc pour couvrir cette édition si spéciale, avec un documentaire qui expliquait comment la crise du corona affectait le monde de l'événementiel, avec pour exemple donc Ma mère sans mars, édition 2020. Sauf que évidemment ça s'est pas passé comme prévu, puisque nous, notre côté, on a commencé à faire nos interviews, à écrire le documentaire, etc. On travaillait vraiment bien. Et en fait, le samedi soir, il y a eu une nouvelle annonce qui a été faite par le gouvernement et qui demandait à tous les bâtiments, tous les locaux qui n'étaient pas obligatoires au fonctionnement du pays de fermer. Donc on est rentré chez nous, on est rentré à Caen et on a commencé à discuter avec Valentin de comment on allait faire. Parce que là, le documentaire était clairement pas utilisable, mais on voulait pas pour autant perdre tout ça. Donc on s'est demandé comment on pourrait faire. On s'est dit que le plus simple, c'était simplement d'élargir le sujet
et non plus de parler de simplement comment ça a affecté l'événementiel, mais comment ça a affecté toute la société. D'un autre côté, le confinement, ça a vraiment remis en cause toute la saison 2019-2020 pour 18, puisqu'il nous restait à sortir quelques projets, et tous ces projets n'étaient pas encore tournés. Notamment, on devait participer au festival Kinokan, qui est donc un festival où on tourne un film en 3 jours. Évidemment, il a été annulé. Si pour 18, la crise a compliqué des projets à ce moment encore faciles à modifier, pour d'autres événements nécessitant une logistique très lourde, cela a été une tâche quasi insurmontable. Pour le festival Ma Mère sans Mars, la marche fut plus complexe et des questions se sont posées très tôt. Le vendredi 13 mars à 15h devait se tenir un briefing pour les bénévoles. Seulement, à ce même moment, se tenait une réunion de crise portant sur la tenue ou non du festival. Dès la fin de la réunion, l'ampleur des conséquences s'est fait sentir sur les conditions permettant la survie de l'édition. Cependant, annuler un festival d'une telle ampleur après tant de travail est une épreuve plus dure que de se plier aux contraintes. On attendait de célébrer voilà, les 30 ans. C'était quelque chose de très attendu, dont on entendait parler depuis un an, parce qu'on savait depuis l'année dernière voilà, que l'année prochaine serait les 30 ans. Donc c'est toujours une date particulière, évidemment, 30 ans. Donc on souhaitait faire une belle fête. Pour cette édition, vu que c'est les 30 ans, on souhaite une édition parfaite. Parfaite. Voilà, qui soit à la hauteur des 30 ans, des 30 ans du festival. Dans les conditions où on doit la faire, je pense que déjà, quand on commence bien et on fait avec les contraintes qu'on a. En fait, on a appris quelques jours avant que les manifestations au-dessus de 1000 spectateurs étaient annulées, donc voilà, on savait que le festival ça passait. Ce qui a été dur, c'est que le samedi, du coup, en fin d'après-midi, on a appris qu'à minuit, tout devait fermer partout en France. Donc là, ça a foutu un peu un froid parce qu'on savait en fait que la 30e édition s'arrêterait à minuit. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'en ce moment, lié à ce qu'a dit Macron en fait, c'est qu'on a un peu pris de court en fait, et ça change tout le temps. On 10 000, 100, avant c'était moins de 5 000. Moi je m'occupe de la sécurité aussi de l'incendie d'Antares par exemple, et concerts où il y avait Christophe Maé qui devait venir, etc. Où on s'aperçoit que c'est des salles à 5000. Au début, ils nous ont dit 5000, oui, 1000, 100. Donc, on a attendu les descentes préfectorales. Et depuis, c'est niet. Donc, il y a une énorme perte d'argent vis-à-vis de boîtes de sécurité incendie, mais même vis-à-vis de l'événementiel. Hein. Ça se ressent directement. C'est évidemment très triste. Enfin, c'est dommageable que le festival soit réduit un peu quand même à 100 personnes. Que surtout, on l'ait su qu'à midi pour un festival qui avait lieu à 18h. Donc ça, c'est sûr que c'est très compliqué. Il a fallu qu'on réagisse dans cette espèce de crise d'hier. Un truc assez incroyable. C'est hyper formateur. On a maintenu Ma Mère sans Mars parce que déjà, il était entamé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a eu l'info à 13h30, le montage de tout le décor était fait depuis le mercredi. Tout le monde était là, tous les bénévoles étaient dans les trains, tous les jurys étaient presque partis ou ils allaient partir, tous les invités pareil. On était là tous depuis le jeudi. Vraiment, en fait, tout était prêt pour commencer dans 5 heures. Si on avait annulé complètement, on aurait eu des gros problèmes de subvention, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas été aidé par la suite pour refaire une... En fait, si cette année avait été annulée, il n'y aurait pas eu de 30e année. 31e année du coup. Le concert de samedi soir, c'est vraiment un gros regret parce que c'était la façon de remercier notre public aussi en leur offrant un concert, quelque chose de différent et surtout de célébrer les 30 ans qui étaient importants pour nous. Après le reste, c'est vraiment des bornes photos qu'on a dû annuler, par exemple l'animation réalité virtuelle qui va être un jour au lieu de 2 jours. La chose qui m'a le plus consolé, la seule chose qu'elle a réussi à me consulter dans le premier temps, c'est de me dire que l'essentiel en fait, du festival allait être là, parce qu'on allait projeter des films, que 100 personnes allaient voir chaque film. Ça reste 100 personnes qui voient un film, souvent un film compliqué, qui n'aura pas de sortie en salle en France. Donc c'est de toute façon, notre geste existe. Voilà. Financièrement, c'est vrai que la santé du festival n'est pas non plus au beau fixe comme beaucoup d'événements culturels. Mais tous les partenaires, et notamment, je pense, pour ce qui me concerne, les collectivités, se sont engagés à soutenir le festival, parce qu'on sait très bien qu'ils n'en sont pas responsables, que c'est pas de leur faute. Le festival est subventionné par la région,
de Pays de la Loire, la communauté de communes et entre autres beaucoup de partenaires privés qui nous aident à titre privé du coup. Sans eux, en fait, le festival n'existerait pas parce que, par exemple, Super U Mamers nous fait un pourcentage sur ce qu'on prend et en fait, ça représente énormément d'argent. Enfin, c'est des partenariats comme ça qui nous permettent de survivre et après, effectivement, on a la région et la communauté de communes qui nous aident. Alors, vous parlez du 31e festival. Déjà, on espère qu'il va avoir lieu. On va voir... On va faire un joli bilan financier et puis on verra ça après parce qu'il faut savoir que le festival a 30 ans, mais en fait le festival réussit à faire d'une édition à une autre parce que à chaque fois en fait on regagne le budget qu'on dépense. Donc on s'en sort comme ça. Là cette année clairement on n'aura pas du tout le budget qu'on est censé avoir. Donc si la communauté de communes, et la communauté de communes nous a assuré qu'ils nous aideraient, mais si la communauté de communes et peut-être l'État, on l'espère, nous aide, dans ces cas-là, on s'en sortira peut-être pour une 31e édition. Pour l'instant, on a 31e édition, moi j'ai envie de dire, si on l'a fait, on l'a fait à fond. On va faire un énorme truc, on va voir en 4 fois même plus grand que ce qu'on avait vu cette année. On va essayer en tout cas... Et on espère que les gens vont venir et vont nous soutenir justement par rapport à cette année-là. La 30e édition, encore cette année, c'est flou, hein. Vraiment flou. Face aux annulations de ces projets, chacun et chacune réagit différemment, selon son implication et son temps passé à l'organiser. Plus un projet est long à mettre en place, plus le choc dû à son annulation est dur à encaisser. Et ce fut le cas pour les personnes derrière l'organisation de Ma Mère sans Mars. Bah, de la déception quand on a appris vendredi midi qu'on allait être bridé à 100 personnes. Parce que c'est franchement nous prévenir, c'est acté ça vraiment au dernier moment. Quoi. Et on a de l'argent qui a été mis en jeu, on a passé du temps à tout installer, à tout faire. Et se dire que les soirées déjà, le groupe de musique, moi voilà, j'ai passé plein de coups de fil avec eux, on avait préparé plein de choses, ça passe à la trappe. Des prestataires qui viennent pas. Pour tout vous dire, moi j'arrivais de Lyon, j'ai posé le pied vraiment pour le coup. Je suis arrivée à l'heure où il a fait son discours, donc à 13h. J'ai posé le pied sur le quai de la gare du Mans et tout le monde m'a appelé. J'ai eu, pour vraiment vous dire, 17 appels manqués en l'espace de 2 minutes. Et tout le monde me disait que le festival était annulé, donc j'ai mis à peu près 5 minutes, je pense, à percuter 2 secondes que c'était complexe. Et après, tout s'est enchaîné, je suis rentrée. On attendait les réponses à 14h30 et en fait jusqu'à là il n'y a plus rien qui s'est arrêté. Le sentiment aujourd'hui de faire l'édition des 30 ans comme ça, c'est assez bizarre. C'est en même temps moi je suis heureuse que le festival ait lieu, mais un peu frustrée quoi. La situation était tellement évolutive, était tellement incertaine que. Et on est dans un tel contexte de paranoïa qu'il y a encore une semaine, j'avais du mal à... Je voulais pas être le chat noir en coup de somme, mais j'avais du mal à me dire comment le festival allait pouvoir avoir lieu. J'ai eu très peur tout le début de semaine. Plus la semaine avançait, plus je me disais à moi-même mais c'était une fausse idée. Donc, on va pas nous annuler à J-2, à J-3, c'est pas possible. On n'annule pas un événement comme ça, etc., etc. Évidemment que si, tu peux s'annuler à tout moment. Et la situation hier était encore plus explosive, avec encore plus d'alerte à la société émotionnelle. Et voilà, les choses sont ce qu'elles sont, on continue de se battre, on continue de faire bien ce qu'on fait, comme je te disais, l'important c'est que les films soient diffusés et vus. Et j'ai plutôt envie de voir le verre à moitié plein et de me dire qu'on est un festival miraculé. Les restrictions ont eu des conséquences non seulement pour l'équipe d'organisation, mais aussi pour les différents et différents acteurs et actrices de l'événement subissant également la crise. Les invités par exemple, puisque les festivals sont des événements primordiaux pour la promotion d'un projet et pour se faire connaître. Ma mère sans Mars, j'attendais du coup, j'espérais, enfin j'y suis allé parce que j'étais très content que mon film soit sélectionné. Et quand tu fais des cours, t'es trop content d'avoir la chance de le voir sur grand écran. Et puis c'est un peu la moindre des choses aussi quand des gens sélectionnent ton film et l'ont trouvé assez cool. De te déplacer pour pouvoir le présenter, c'est une opportunité qu'ils donnent, et du coup t'as l'occasion que c'est en France et que c'est quand même accessible. Je trouve ça, c'est bien, rendre la chandelle
et d'y aller, je crois que je trouve ça correct. Et en plus, c'est toujours, en plus, t'es hyper bien. Souvent, les festivals, t'as une bonne ambiance. Moi, j'avais aussi pour but de rencontrer d'autres gens éventuellement du milieu, des rencontres sympas. La situation liée au corona, si vous avez ressenti pour quelqu'un qui était extérieur à la situation, c'est sûr, c'est indéniable dans le sens où, étant donné que toute l'équipe du festival de ma mère en mars est une famille. En fait, vraiment, vous êtes soudés les uns les autres. Et en fait, du coup, j'ai ressenti la situation liée au corona parce que, vu que je connaissais très peu de gens, même si j'ai été accueilli de la meilleure des manières, mais malgré ça, il y avait une espèce de brume coronavirusienne, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui quand même était présente entre les séances. C'est-à-dire que c'est bête, mais dès que quelqu'un toussait, les regards se figeaient, on sortait du film, on se regardait, on mettait les chambres discrètement, les voisins, c'était assez ouf, ouais. donc malheureusement c'était quand même pas stable. Le seul truc qui était relou, mais ils pouvaient rien les pauvres, c'était que du coup il n'y avait pas de jury, et donc ça forcément, ça enlevait une compétition, du coup il y avait deux compétitions, le prix du public et le prix du jury, et du coup il n'y avait pas de prix du jury. Et du coup, ça, c'est le truc que moi je ressentais en tant que personne qui vient présenter son film en compète, quoi. Je pensais rester tout le week-end. Et avec le corona, du coup, je me suis carapaté le samedi. Donc, la journée du dimanche qui a été annulée, je ne l'ai pas vécu comme une journée perdue, puisque de toute manière, dans la vie, il n'y a jamais rien qui est perdu, et encore moins dans l'art. C'est-à-dire que c'était des autres moments de vie qui étaient totalement différents et totalement inattendus. C'est-à-dire qu'on a commencé par ce voyage à 4, à 5 dans la voiture qui nous a ramenés à Paris, à avoir des discussions un peu particulières, à parler un peu de cinéma, à parler un peu d'actualité, puis à parler un peu de, et puis à regarder un peu des infos ensemble, à les écouter à la radio, faire une petite sieste. Et tout ça, j'ai trouvé que c'était des moments vraiment particuliers, quoi. C'est des moments, j'allais dire, limite précieux, parce qu'en fait, on se connaissait pas dans la voiture. Et en fait, c'est comme si d'un seul coup, on était genre une famille de 5, il y avait un truc un peu de survie qui était entre nous. C'était on a veillé à ce que chacun soit de retour chez lui rapidement, dans les meilleures conditions. La situation du coronavirus a annulé plusieurs événements. Là, par exemple, je vais être dans la série Le Bureau des légendes de Canal+. Et en fait, l'avant-première a été annulée. Et donc, du coup, on a une avant-première digitale. J'ai appris ça hier. Mais c'est totalement triste parce qu'en fait, on va découvrir les épisodes depuis chez nous avant tout le monde, oui. Mais c'est-à-dire que j'avais envie de les découvrir avec tous ceux qui avaient travaillé sur le projet, même si j'ai un petit rôle, hein. Un cours de théâtre, qui pour moi sont très importants, qui m'ont été annulés. Des avant-premières des films qui devaient sortir où j'étais invité, là, c'est uniquement en tant que comédien, parce que j'avais pas travaillé dessus, mais ben, du coup, pareil, c'est des événements importants dans la vie d'un comédien. Et aussi, oui, il y avait pas des films pour des séries, qui devaient se tourner fin mars, et pareil, du coup, même si j'étais allé en callback, ça a été annulé, des castings pour des pubs aussi. Donc des tournages qui ont été annulés, vous l'avez été pris. Je suis vraiment pas en train de me plaindre sur mon sort égoïstement. Si c'est bénéfique pour la majorité d'entre nous, et ben je suis très fier que tout ça soit annulé, que je reste chez moi à me confiner et à prendre soin de moi et surtout des autres. Une partie non négligeable, la partie de l'ombre lors d'un travail dans l'événementiel, est évidemment l'équipe bénévole. Pour certains ou certaines d'entre eux et d'entre elles, c'était la première expérience qui sera sans aucun doute mémorable. Pas du tout ma première expérience dans un festival. J'ai déjà participé à pas mal de festivals en tant que festivalier. J'ai notamment aidé pas mal l'été dernier à organiser, enfin pas organiser, mais à toute la mise en place d'un festival, Festival Irma. Mais à ma mère, c'est la première fois que je viens. Ce n'était pas ma première expérience en tant que bénévole pour ce festival, parce que j'ai commencé quand j'étais au lycée. Du coup, j'ai commencé en tant que bénévole quand j'avais 16 ans, et je suis rentrée dans l'orga il y a 3 ou 2 ans maintenant. Moi, je suis bénévole depuis 5 ans et là, c'est la première année où je suis organisatrice. Et moi, c'est ma 6e année de bénévolat, ma mère sans mars. J'attendais du festival Ma mère sans mars une bonne expérience dans le sens où je savais que j'allais rencontrer pas mal de gens. J'attendais de cette édition qu'elle soit quand même mémorable parce que c'était les 30 ans et on s'était tous fait un pataquès des 30 ans pour nous dire mais ça va être dingue, ça va être des 30 ans, on va vivre des choses exceptionnelles, il va avoir un concert, ça va être vraiment l'année où il va avoir le plus de monde parce que les premiers festivaliers vont revenir. C'est la 30e, donc on s'attendait à avoir une édition un peu spéciale, surtout qu'on avait mis une cagnotte en ligne en place pour vraiment faire les choses bien. Et c'est vrai que ça nous a un peu
détruit notre Maverson Mars. On aurait eu énormément de visiteurs ce week-end, une très belle programmation, un bon jury et des invités à la hauteur de la 30e édition. Donc, je pense qu'il y a une vraie différence entre cette édition-là, la 30e édition de Ma Mère sans Mars, et d'autres éditions avant, même si je ne peux pas définir clairement quelle est cette différence, que c'est la première fois que je viens ici. Mais rien qu'en fait de voir le regard, voir l'énergie et l'intensité, enfin voir... Oui, c'est l'énergie globale qui se passe hier et aujourd'hui. Un peu la déception qu'on arrive à lire sur le visage des organisateurs, des organisatrices, des bénévoles de longue date. Je pense quoi, qu'il y a une vraie différence entre cette édition et ça me donne d'autant plus envie d'essayer de revenir l'année prochaine pour voir vraiment ce qu'est vraiment Ma Mère sans Mars à 100%. Je trouve que la réduction d'accueil est plutôt triste. Dans le sens où beaucoup moins de personnes pourront accéder au festival. Mais quand on sait qu'en France, la plupart des gens vont. La plupart des festivals vont être annulés, il faut voir le côté positif et se satisfaire justement de la possibilité d'avoir ce festival et sa 30e édition. Je vis la restriction d'accueil assez bien, malgré que hier c'était difficile. Hier c'était vraiment dur parce qu'on a été pris de court, on a pris une heure ou deux heures avant de se rendre au festival, mais au fur et à mesure on s'est dit que c'était comme ça et qu'il fallait pas qu'on prenne ça mal et qu'on reste pessimiste en fait, il fallait qu'au contraire on reste hyper optimiste et qu'on se dise de toute manière c'est comme ça, on peut rien changer, on reste toujours dans la positivité et dans le mood joyeux et à se dire on fonce quoi, on avance et cette édition sera quand même mémorable. Je pense que tout le monde est un peu pareil, on est juste un peu dégoûté. On a travaillé depuis super longtemps pour donner une édition, la 30e assez spéciale. Du coup, là on est un peu dégoûté, mais bon. Déçu, mais après, c'est également logique qu'on suive des restrictions. Ah, personnellement, cette expérience de festival, je la vis plutôt bien parce que je ne peux pas vraiment comparer avec comment se déroulerait une édition plus grande, entre guillemets. Là, je trouve que l'ambiance est très cool, dans le sens où c'est plus cocooning, on voit plus de gens. Paradoxalement, on voit moins de gens, mais on est plus proche d'eux, c'est ça que je veux dire. Du coup, je trouve que c'est une expérience très sympa et c'est un peu plus familial, entre guillemets, et j'aime beaucoup ça. On participera toutes les deux à la 31e édition. Ça, il n'y aura pas de soucis. Je pense participer à la prochaine édition de 31 ans, parce que déjà, les 30 ans sont quand même très très cool. Et du coup, comment se passe une édition où tout se déroule bien avec 3000 personnes attendues, etc. Je pense que c'est une expérience encore plus folle. Du coup, oui, bien sûr, je serai là, 31, si possible. Je pense participer dans tous les cas à la prochaine édition. Pour la simple bonne raison que Ma Mère sans Mars, c'est culturellement dans notre ville quelque chose qui est exceptionnel, de un. Et de deux, c'est tellement un festival qui nous apprend sur le cinéma. C'est-à-dire que les films qui sont projetés ne sont pas des films qu'on va voir tous les jours au cinéma. Et d'autant plus que là, on a la chance d'avoir les réalisateurs, les scénaristes, les comédiens qui viennent pour présenter leurs films. Et ça, c'est tellement... c'est riche et c'est tellement enrichissant pour nous que jamais, je pense, on pourra, hormis si on va dans d'autres festivals, et même ce sera totalement différent, parce que là, c'est un festival qui est vraiment dans un petit village. Donc c'est ça qui est exceptionnel, c'est d'avoir cette richesse dans un village qui est petit comme ça. Après tant de préparation et d'implication, la frustration... et compréhensible, et accompagné par ces personnes attirées par le cinéma, la déception de ne pouvoir diffuser les films au maximum, avec l'annulation de certaines séances et l'accueil restreint des festivaliers et festivalières pour qui l'expérience semble faussée. Cette édition en demi-teinte souffre de la comparaison pour celles et ceux ayant pu en connaître d'autres. Et ce festival, ça fait 3 ans que je viens, donc c'est la 3e année. Alors c'est la 3e année que je viens au festival. Et en fait, j'appartiens à une bande d'amis qui vient depuis plus de 10 ans, qui suit Ma Mère depuis plus de 10 ans, des gens de la région parisienne. Et donc j'ai piqué le virus depuis 3 ans. Du coup, j'étais bénévole. Ça aurait été ma 2e année, parce que j'ai déjà fait l'année dernière en tant que bénévole. On m'a proposé en CAV l'option cinéma audiovisuel au lycée. Si je voulais être bénévole, j'ai accepté, parce que je trouve que c'est un très bon festival. Et à cause du coronavirus, je suis maintenant plus bénévole. Le festival de Ma Mère sans Mars, je le connais depuis longtemps parce que je suis mamertin. Donc j'en ai souvent entendu parler, mais là ça fait 2 ans que,
que je vais y faire un tour pour voir, parce que j'ai un ami qui est bénévole et que j'entends des échos et que c'est plutôt bien, donc ça m'a intéressé, je suis venu. Disons que je suis satisfaite que ça se maintienne, mais je suis aussi déçue que il n'y ait pas plus de monde, malheureusement que ça soit ouvert et qu'il y ait très peu de monde. Bon, c'est un peu dommage pour la population de Mamers. J'ai perdu pas mal de temps à gérer un peu les crises au niveau du travail, et j'ai pris du retard et ça m'oblige effectivement à travailler ce week-end. Donc malheureusement, j'ai dû choisir certains films simplement à partir du fascicule que édite Ma Mère sans Mars. Alors oui, effectivement, là, c'est une édition qui est complètement inédite parce que les mesures sanitaires qui sont prises conduisent à changer un petit peu le format. Hein. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une toute autre ambiance qui s'est instaurée par rapport à ça. Il y a une ambiance un peu familiale qu'on ressent un peu plus maintenant, aujourd'hui. Justement parce que les gens sont plus soudés par rapport aux problématiques posées par la gestion de cette crise qui fait que le jury n'est pas présent. Il y a vraiment une sacrée différence par rapport aux versions précédentes. Là, effectivement, on se retrouve dans une atmosphère un petit peu particulière avec, on se retrouve en petit comité, mais en même temps entre gens qui connaissent le festival et qui en attendent toujours finalement les mêmes choses, la même qualité de programmation. J'étais un peu dégoûté en fait, mais en même temps, je pouvais en prendre à personne parce que c'est la faute de personne. Et je pense que le coronavirus, c'était une vraie emmerde pour tout le monde en fait. Et voilà, je pense que les organisateurs ont été plus dégoûtés que moi en fait. Du coup, si je suis venu, déjà parce que l'ambiance, je trouve que c'est beau. Il y a des décors, les films aussi. Les films, c'est l'atout principal de façon du festival. Et puis, on peut retrouver des films que je pense que j'aurais jamais vu dans d'autres circonstances. Est-ce que je pense venir la prochaine fois? Alors, c'est une bonne question. Oui, parce qu'en fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Enfin, il y a une vraie perturbation. C'est-à-dire, effectivement, on sent qu'il y a un peu de désorganisation qui s'est installée, il y a des décisions qui sont obligées d'être prises un peu dans l'urgence, le jury n'est pas là, donc effectivement ça déstabilise un petit peu l'équipe organisatrice, mais je trouve qu'ils se débrouillent quand même très bien. Et donc pour moi, ce que je viens chercher, c'est de toute façon du cinéma qu'on ne voit pas forcément dans les salles d'habitude, des films qui auraient vocation à être diffusés en salle. Je pense que ce sera l'occasion peut-être de rattraper, j'allais dire, pas le temps perdu, mais cette situation qui était un petit peu inédite, de pouvoir fêter plus dignement peut-être. Oui, je serai toujours fidèle à Ma Mère sans Mars. La crise rend la situation complexe pour toutes ces personnes. Et d'ailleurs, pour certaines et certains d'entre elles et d'entre eux, elle l'était tellement qu'elles ont fait le choix de ne pas se rendre sur le festival. En fait, j'ai annulé ma venue. Déjà, ça a été assez difficile à prendre comme décision parce que j'ai beaucoup hésité. J'ai décidé à peu près 5-6 jours avant le festival. Du coup, je m'en voulais un peu de planter l'organisation. Mais en fait, moi, je suis très asthmatique. Par exemple, l'année dernière, je fais une bronchite et j'ai dû finir aux urgences juste pour une bronchite. Du coup, c'est assez compliqué pour moi de gérer ce genre de situation. Et en fait, c'est pas que ça qui m'a fait me décider. C'est aussi que j'ai énormément d'amis italiens à Paris. Et du coup, je passais un peu toutes mes journées avec eux et je voyais un peu leur réaction évoluer au fur et à mesure. Au début, ils étaient très oui, bon, ça part, on fait la fête. Puis petit à petit, je les voyais devenir de plus en plus stressés. Et ça m'a un peu. Je pense que tout le monde a eu de bonnes choses à un moment donné. Moi, il y a eu un peu plus tôt juste parce que je traînais avec ces gens-là qui étaient toujours chauds pour faire la fête, qui sortaient beaucoup. Donc ça me dirait, non, mais là. Il faut se calmer, tu te rends pas compte de ta maison, ma grand-mère, machin, mon bidule. Et du coup, ça a commencé à me stresser un peu. Puis j'hésitais à venir, j'en ai parlé autour de moi, et plus j'en parlais, plus les gens me disaient c'est peut-être pas une bonne idée. Et puis je crois que ce qui a déclenché, c'est quand ils ont interdit de faire des rassemblements plus de 1000 personnes. Je me suis dit, c'est peut-être que le festival fait plus de 1000 personnes, mais c'est peut-être con de tenter le diable. Je me suis pas rendu au festival parce que c'était à 7 heures de route de chez moi. Que j'étais sur la route, je me suis arrêté, j'étais à 2h30 de chez moi et à 4h30 du festival en gros.
Quand on m'a dit que le festival allait peut-être être annulé, donc je me suis arrêté. J'étais déjà bien claqué, je sortais de résidence. Donc j'ai reçu l'information par téléphone d'un pote qui m'a appelé, qui est au festival, et qui m'a dit là on est en discussion avec le maire. Et j'ai attendu donc une bonne heure, je pense, qu'ils finissent leur débat. On m'a dit qu'il n'y avait aucun invité, tous les jurys justement avaient annulé. Donc moi, toutes mes recherches, tout mon travail autour de ça était du coup devenu nul. Je me suis dit, bah, alors autant profiter qu'il n'y ait pas d'invité, même si je pouvais faire d'autres choses avec les gens présents, mais c'était moins intéressant à l'échelle réduite. Et que avec les problèmes qu'il y a eu aussi de techniques, de personnes disponibles pour ces interviews sur ce que j'avais prévu, tout ce qui, en fait, beaucoup de choses que j'avais prévues n'étaient pas possibles. Donc je me suis dit, je suis claqué, j'ai vraiment besoin de dormir parce que c'était vraiment des grosses semaines. Je savais que les semaines aussi qui allaient suivre pour moi allaient être très très longues. Et donc j'ai décidé du coup de rentrer comme j'étais plus proche de chez moi. Tu perds du temps, certes, mais c'était du temps bénéfique en quelque sorte, parce que moi ça m'a fait faire des recherches, du travail, des propositions, des idées qui avaient émergé. Mais oui, c'est du temps forcément perdu. Au total, un bon mois, et il y avait des imprévus. Je te dirais que la préparation des interviews m'a prévu 2 mois. Cette situation repousse alors le développement de la culture dans la région. L'événement est réduit, avec notamment l'annulation du concert du samedi soir, même si la grande majorité des projections ont pu être maintenues. Situation quasi exceptionnelle, là où la plupart des événements culturels ont été déprogrammés, compliquant ainsi la vie des personnes travaillant dans ce domaine. Nous, on connaissait les organisateurs et on est potes. Et ça fait longtemps qu'ils voulaient nous faire venir là-bas. L'année dernière, ça a été annulé pour d'autres raisons. Et cette année, il y a eu le Covid-19. Nous, on a été très déçus parce qu'en fait, Mamers, ça marquait notre premier festival du printemps. Et c'était le set qu'on allait jouer tout l'été. En même temps d'être une belle fête parce qu'on connaît un petit peu les gens là-bas. C'était un petit peu un baptême du nouveau set. Très vite, on est passé en plan de continuité d'activité, qui est un plan spécial de Radio France qui n'avait jamais été utilisé dans son histoire avant ce jour, et qui consiste dans le maintien des activités de Radio France les plus importantes ou les plus utiles, on va dire, à la population. Donc, ça veut dire qu'on minimise déjà, tous les concerts à Radio France sont annulés, et puis finalement tous les programmes un peu dans ce style-là ont été annulés. Ça fait déjà une dose de travail énorme en moins. Finalement, le gros de ce qui a été conservé comme travail à Radio France concerne évidemment l'information, l'éditorial, donc tout ce qui est le maintien des antennes de Radio France, donc France Inter, France Culture, Move, FIP, mais aussi France Musique. France Info, évidemment. Beaucoup de techniciens et de travailleurs de Radio France se sont retrouvés à pas aller au boulot suite à cette décision. Les techniciens sont à la disponibilité de Radio France actuellement, c'est-à-dire qu'en cas de besoin, on peut les appeler pour qu'ils viennent travailler, mais ils sont pour le moment, mais tant que ce n'est pas le cas, ils peuvent rester chez eux. En ce moment, la culture est vraiment extrêmement mise à mal, le milieu de la culture est extrêmement mise à mal par le fait de ne plus pouvoir faire d'événements. L'événementiel est complètement mis à mal, plus de concerts, plus rien. Donc pour les artistes, c'est notamment les musiciens, c'est une source de revenus en moins. Il y a peut-être autre chose qui va être annulée en avril. Et sur les dates du printemps, on est en attente comme tout le monde, hein. On sait pas du tout. Pour la partie financière, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que les concerts sont notre principale source de revenus pour le groupe. Il n'y a pas de dédommagement, je pense, prévu. Donc, on est dans une incertitude, mais c'est sûr que ça serait problématique de ne pas jouer de l'été. Mais ça serait moins problématique que d'être en mauvaise santé. Je suppose que je serai payé. Sinon, on m'en aurait parlé, je me dis ça. Et puis, si c'est pas le cas, va falloir se débrouiller sans. La culture est un exemple de secteur touché de plein fouet par la crise. Cependant, il n'en est qu'un parmi tant d'autres. De nombreux troubles découlent du virus. Tout d'abord, un grand nombre de malades. Au 28 avril 2020, selon l'université Johns Hopkins,
Plus de 3 millions de cas positifs au Covid-19 à travers le monde ont été recensés. Si un premier pic épidémique semble proche ou a déjà été atteint dans de nombreux pays, il est aujourd'hui encore impossible de dire si ce pic sera le dernier. D'ailleurs, ce premier nombre est, selon la communauté scientifique, sans aucun doute sous-évalué. On a les chiffres officiels. Moi, je peux vous dire que dans ma pratique, sur tous les patients que j'ai eu Covid, bon, plus que certains, puisque tous ceux qui ont perdu l'odorat, maintenant on sait que c'est un signe quand même très particulier de cette maladie, donc on peut considérer qu'ils étaient Covid de façon certaine, j'en ai eu très peu de testés. En réalité, je n'en ai eu que deux de testés sur tous ceux que j'ai vus. Au total, moi j'en ai comptabilisé une 500, peut-être qu'il y en a-t-il plus. Ceux qu'on a ignorés, ceux qui ne m'ont pas appelé. C'est très difficile de donner les chiffres exacts. La seule chose qui pourra nous donner un chiffrage exact du nombre de patients qui ont été contaminés ou en tout cas en contact avec le virus, ce sera de pouvoir faire les tests. Les différentes données collectées au sujet de la maladie cachent de nombreux enjeux. Ceux-ci sont de différentes natures, mais sont fondamentalement liés à un enjeu bien particulier. Dans des pandémies comme celle-là, on sait très bien que les enjeux ne sont pas que sanitaires. Les enjeux sont sanitaires, ils sont aussi économiques, ils sont politiques, et donc c'est très complexe. Cette pandémie, elle est très particulière pour plein de raisons. D'abord, effectivement, c'est un virus, donc on pouvait appeler ça une grippe, entre guillemets, au départ, sauf que c'est une épidémie qui arrive sur un virus inconnu. On apprend tous les jours, on se rend compte que il est beaucoup plus virulent que ce qu'on croyait au départ. D'autre part, il est beaucoup plus contagieux et personne n'est protégé. Donc ça voulait dire en pratique un afflux de patients en même temps, tous en même temps, avec des besoins peut-être de réanimation, pas pour tous, même pour une infime partie au final, mais suffisamment pour engorger nos services. Quand on a 5 000 lits de réanimation sur toute la France, on comprend bien que si on reçoit 10 000 patients nécessitant une réanimation en même temps, on ne va pas pouvoir gérer. Donc l'enjeu de juguler l'épidémie, c'était surtout ça. C'était de ne pas saturer le système et de pouvoir sauver le maximum de patients. Arriver à un certain pourcentage, c'est chiffré à peu près à 60% de la population. Lorsque 60% de la population a rencontré un virus, il va circuler beaucoup moins. Là, sur des statistiques, mais qui sont des statistiques d'extrapolation uniquement, on serait entre 5 et 15% de la population touchée. Ce qui serait très peu si c'est la réalité des chiffres. Puisque si on se rend compte qu'un pourcentage élevé de la population a été touchée, le déconfinement se passera forcément mieux que si on se rend compte au contraire que très peu de patients étaient contaminés, auquel cas le virus a circulé rapidement de façon brutale, mais pas suffisamment pour protéger. Et là, évidemment, si les gens ne sont pas protégés, le déconfinement va forcément entraîner l'apparition d'autres vagues de contamination. Et de nouveau, l'enjeu sera de les contrôler pour que le système de santé puisse assurer. Pour répondre de façon précise, il faudra forcément que les gens soient testés. Après, évidemment, c'est comme pour les masques. On peut mettre des masques à tout le monde si on a assez de masques. On peut tester tout le monde si on a assez de tests. Si on n'a pas assez de masques, si on n'a pas assez de tests, il va falloir trouver d'autres solutions. Les solutions, ça va être déjà pour le déconfinement de faire les choses progressivement. L'hôpital subit, l'hôpital souffre, et cela depuis des décennies. La situation empire au fil des mois, et plus le temps passe, plus le point de non-retour se rapproche. Cette crise est loin d'arranger les choses. Nous, notre activité est complètement, c'est la même en fait, on continue notre activité, puisque de toute manière, tous nos patients ont besoin de nous, Covid ou pas Covid, nous on doit continuer à aller chez nos patients. Avant que ça arrive, on était à quoi? Sur les 402 secours qu'il y a dans ma compagnie, on était à 60 inter. Et là, on est à... Enfin, là, hier, en tout cas, on était à 50 inter-Covid par jour. Principalement, c'est que des cas coronavirus. On est toujours autant appelé. Certes, c'est plus pour du coronavirus, mais on est toujours autant appelé. Alors, il y a eu des réorganisations politiques, on va dire, qui font qu'aujourd'hui, les enveloppes au niveau de l'hôpital ont fortement diminué. Et c'est vrai que mettre en difficulté, parce qu'on ne peut plus acheter le matériel qu'on avait
besoin d'acheter auparavant. Cette situation, ça dure depuis plusieurs années, et en effet, le fait que ça dure nous met en difficulté, pas forcément aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment qu'on est en difficulté. Après, il y a une politique qui fait aussi qu'on demande des fermetures de lits, et donc si fermeture de lits, évidemment, c'est moins de personnel associé. Donc ça, c'est une politique actuelle, et c'est une politique qui semble se poursuivre après. C'est le manque de considération financière aussi, hein. Parce que quand on parle de considération, nous, on s'arrête, on ne veut pas dire financière, mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, les gens nous applaudissent à la fenêtre, et ça fait très plaisir, c'est pas le problème, mais la considération financière, elle est quasi nulle. Aujourd'hui, je parle en dehors du temps de crise, on a beaucoup de responsabilités, nos gestes sont mesurés, sont pesés, répondent à des connaissances bien spécifiques et assez pointues, qui peuvent être potentiellement létales pour les gens. On peut les faire au même titre que tout le monde, sauf que nous, on peut ruiner la vie de quelqu'un et par conséquent se ruiner la nôtre. Donc, on estime qu'on n'est pas très bien considéré financièrement à ce titre-là, notamment. La difficulté d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément tout le matériel adapté et suffisamment de personnel et de lits, et ça met en difficulté la prise en charge. Ce que surajoute la crise en ce moment, c'est la capacité de... C'est la capacité de faire de la réanimation, tout simplement, donc à savoir avoir des respirateurs, ce qu'on appelle la respiration artificielle, hein, c'est par des machines qui s'appellent des respirateurs, d'accord. Ça, on en utilise au bloc opératoire, on l'utilise en réanimation, mais de façon habituelle, beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est les locaux qui sont pas adaptés, donc il faut les adapter rapidement, c'est-à-dire faire de chambres d'hospitalisation classiques des chambres de réanimation, ce qui est pas facile, parce que même d'un simple point de vue de l'espace, en fait, dans ces chambres-là, la plupart du temps, on n'a pas l'espace. Il y a beaucoup de machines assez volumineuses en réanimation qui permettent de prendre les patients en charge. Et ce que je disais tout à l'heure, le personnel soignant, parce que la réanimation, c'est quelque chose de très particulier. Ce sont des gestes qu'on ne fait pas ailleurs. Ce sont des machines et des médicaments qu'on n'utilise pas dans les autres services. Ça s'improvise pas vraiment, quoi. Même si on nous demande un peu de... Si on demande à certaines personnes de l'improviser un peu en ce moment. On a eu très, très peu de fournitures. On a eu des masques chirurgicaux qui ont été distribués par le biais des officines, des pharmacies de ville. On en a eu une boîte de 50 au début de la crise. Et puis, depuis, on n'a rien eu. Et après, on a eu les fameux masques FFP2. On en a eu 10, hormis mon stock, j'ai rien de plus. Quand on voit que les lingettes pour laver les ambulances, faut qu'on les relave pour les réutiliser, c'est qu'on commence à un peu être en déchet. Tous les masques sont à usage unique, qu'ils soient chirurgicaux ou FFP2. Le FFP2, c'est vraiment un masque qui s'applique complètement sur le nez et la bouche. Il n'y a pas du tout d'ouverture entre la peau et le masque. C'est très désagréable à porter, mais c'est très hermétique. Donc, ce n'est pas la peine de commander 720 millions de masques FFP2 demain. Il faudra avoir un stock suffisant et l'assurance d'avoir des usines un jour qui les produiront suffisamment pour en avoir plusieurs fois par jour. Parce que pour ce qui est des masques FFP2, par exemple, moi, en réanimation, donc ce sont des services qui sont favorisés, hein, en termes de matériel. J'en ai deux par jour, des masques FFP2. En sachant qu'un masque FFP2, à partir du moment où je le touche pour l'enlever, je peux plus le remettre. Il est devenu impropre, il est contaminé. Ça veut dire que en 12 heures, parce qu'on travaille en 12 heures, je peux avoir la bouche libre une seule fois. Donc pour boire, pour manger, pour fumer si je fume, mais j'aurai pas le temps. Mais voilà, enfin, ça veut dire que je ne peux boire et manger qu'une fois en 12 heures derrière un masque FFP2. Ça, c'est compliqué. J'espère vraiment qu'un jour, je pourrai les enlever, les mettre à la poubelle, boire un coup et les remettre sans me demander qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est ça que j'espère. Il y a des personnes âgées qui sont au courant du coronavirus et d'autres qui sont pas au courant, mais comme ils ont des problèmes cognitifs, bah, on leur explique et après, ils oublient, donc ils reprennent leur vie d'avant. Ils ont du mal... à se dire qu'il y a un danger pour eux, et même ceux qui sont valides, c'est compliqué à leur faire comprendre qu'il y a un danger pour eux. Bah oui, elles sont plus difficilement protégées et plus touchées, bah déjà dû à leur pathologie. Et puis pour la protection, c'est vrai que c'est compliqué, ils n'ont pas de protection, et même si on leur en donnait, bah
ils ne les mettraient pas forcément pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ont des problèmes cognitifs. Mais simplement, là, quant à la considération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, pour la première fois depuis toujours, vous êtes des héros, vous êtes un peu à poil, hein, parce que vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas vraiment ce qu'il faut pour aller vous battre, mais vous êtes des héros, il faut aller au front, donc on emploie le champ lexical de la guerre. Et ça pose un problème duquel moi j'essaye de me distancier un peu, mais on n'est pas tous à même de le faire, je ne sais pas si je serai à même de le faire tout le temps. C'est cette espèce de considération de soi-même en tant que héros. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de me considérer comme un héros. Je pense que ma sécurité dépend de ça. C'est-à-dire qu'il faut que je sois bien au courant que je suis un humain, que je suis pas plus fort que ce virus et que je peux pas travailler 90 heures par semaine. Mais les revenus, non, sont pas affectés. Sans nous, l'hôpital ne tournera pas. Pour l'instant, moi, j'ai entendu parler de rien d'autre qu'un salaire normal. Moi, j'étais en disponibilité de la PHP depuis 4 ans. Je suis repris à mon salaire d'il y a 4 ans. Il y a même pas eu. On n'a pas accompagné ça. Voilà. Enfin, j'ai pas... Donc, je pense que je vais plafonner à la fin du mois 1650-1680 euros mensuels. Voilà. Moi, ça fait 10 ans, 11 ans que je suis infirmier. Voilà, c'est ça qui se passe. Pourtant, malgré la gravité de la situation, l'hôpital public fait face tant bien que mal à cette crise. Mais cela au prix d'efforts surhumains. Il y a eu des changements très importants, bien sûr, qu'on a dû mettre en place un peu chacun dans notre coin. Moi, je sais qu'il y a eu un décalage quand même entre ce que nous, on a vu arriver, c'est-à-dire les deux premières semaines du mois de mars, où on a vu la pression monter. Et à ce moment-là, on n'avait rien et on n'avait pas d'informations, pas de conseils, d'organisation. Bah en fait, avant l'épidémie, nous, on a eu une épidémie de grippe et de bronchite au sein de la maison de retraite. Donc, on a réussi à prendre ça en charge très facilement. En fait, on confine tout le monde en chambre et on interdit les visites. On essaye au maximum de faire en sorte qu'il n'y ait pas de passage en fait, dans l'établissement. Bah, moi, je sais que sur mes deux hôpitaux secteurs, la prise en charge, elle est faite différemment. Genre, comme maintenant, ils veulent limiter la contamination, dès que tu arrives à l'hôpital, il y a deux SAS. Il y a un SAS pour Covid et un SAS pour intervention autre. Actuellement, y compris les salles de réveil sont occupées par des patients ventilés et que, isolés de leur famille, puisque les familles ne peuvent pas venir les voir et que c'est très dur, quoi. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont été sortis plus rapidement de l'hôpital que ça n'aurait dû être. Par contre, à côté de ça... les surveillances des bilans de pathologies, tout ça, on a beaucoup moins. Parce qu'en fait, les cabinets libéraux tournent très, très peu. Les gens ne veulent même plus se déplacer chez les médecins libéraux. Donc nous, tout le travail qui découle des médecins libéraux, c'est en stand-by. Aujourd'hui, il n'y a rien. On a récupéré quand même des prises en charge assez lourdes de gens qui ne... méritait pas forcément un retour à domicile, mais plutôt un retour en institution. Donc, je pense que les choix des structures ont été de les renvoyer à domicile, justement pour éviter de garder trop de monde en structure. En France, habituellement, il y a plutôt aux alentours de 4000 lits de réanimation. Aujourd'hui, il y en a environ 7000 qui vont être ouverts dans les semaines qui viennent, jusqu'à peut-être 8000. Aujourd'hui, on a réquisitionné les respirateurs des blocs opératoires qui étaient considérés comme des blocs opératoires non urgents, hein, donc qui n'opèrent plus aujourd'hui puisque pour faire face à la crise, les interventions non urgentes ont cédé et les respirateurs sont venus dans les nouveaux services de réanimation qui se créent. Donc. On a réorganisé nos services, que ce soit au niveau des urgences, où on a ouvert de nouveaux services pour permettre justement d'accueillir les patients Covid+. On est en contact en permanence avec l'ARS, hein. On a alerté de nos difficultés quand il y en avait. On a fait nous-mêmes un petit peu notre recherche pour avoir des dons. Mais il faut savoir que voilà, nous, la région est épargnée. Il y a quand même très très peu de cas par rapport à d'autres, mais c'est une évidence que si jamais devait y avoir beaucoup de prises en charge Covid, ça changerait énormément sur notre façon de travailler et je pense qu'on n'aurait plus de repos. À cause du manque de personnel formé en réanimation, j'ai été rappelé à l'hôpital. Je pense qu'en termes, en moyens humains, il y a toujours possibilité de faire fonctionner
l'hôpital dans cette période de crise, mais simplement les infirmières en réanimation, bah, finalement, sont assez rares, comme il y a énormément de services qui deviennent des services de réanimation. Ils ont rappelé les personnes qui avaient une expérience dans ce domaine-là. Nos plannings ont changé parce qu'on avait des horaires de coupe qui faisaient qu'on devait rentrer dans l'établissement pour ressortir, pour rentrer, donc on a été obligé de les enlever. Toute l'organisation a été revue comme personne ne peut sortir dans l'établissement et de l'établissement. Beaucoup de planning modifiés et d'heures supplémentaires parce que les soignants tombent malades aussi. Hein. Beaucoup de collègues qui sont en arrêt maladie, ils ont 38 de fièvre, et ils ont une courbature, ils arrivent à peine à respirer, ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Donc le manque de personnel, il est grandissant. Mais oui, il y a des médecins, il y a des aides-soignantes et des infirmières qui commencent à être intubés en réanimation et à mourir coronavirus, parce que tout simplement on est des humains et qu'on meurt du coronavirus parce qu'on en meurt. Moi au final, ce sont mes patients qui m'ont protégé en m'apportant qui deux masques, qui trois masques, tout ce qu'ils pouvaient avoir eu en réserve, tout ce qu'ils pouvaient avoir dans leur cave, en se préoccupant de la santé, en respectant les règles. Est-ce que c'est bien normal? Oui, c'est une vraie crainte, j'ai peur, mais enfin, je ne sais pas s'il y en a un seul d'entre nous qui a conscience, qui pense ne pas l'avoir, ne pas le contracter d'ici la fin de la pandémie. Mais la sensation, oui, enfin, c'est beaucoup de stress. Bon, déjà, parce que moi, ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait de réanimation quand même, hein. Je veux dire, je ne suis pas aussi bon et aussi, j'ai pas autant de réflexes qu'un infirmier qui fait ça sans discontinuer depuis 10 ans, même si j'en ai fait un moment. Et puis oui, c'est du stress. J'ai peur. Hein, j'ai peur de perdre des collègues. Je pense pas à ma propre mort, mais enfin, j'ai pas très envie de contracter le coronavirus, même si je suis quasiment certain que je vais contracter. Voilà, j'ai peur pour ma famille, comme vous avez peur pour votre famille. Enfin, voilà, donc tous. Toute la peur d'un citoyen se surajoute au stress d'un soignant. Comme on n'est pas dépisté, c'est vrai que ça nous inquiète. On ne sait pas si on l'a, si on ne l'a pas. Actuellement, nous sommes en télétravail, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir de contact physique avec les patients. Donc nous les appelons pour savoir comment ça se passe. Je travaille en équipe, donc je fais du lien avec tous les membres de l'équipe pour qu'on puisse se coordonner auprès des familles qu'on accompagne. Enfin, ça demande beaucoup de travail de coordonner l'équipe. On est 23, donc c'est beaucoup, sur 3 sites différents normalement. Donc 3 équipes qui tournent chacune de façon un peu indépendante. On n'a plus le droit de sortir quand je suis à la caserne et qu'on est au repos. Par exemple, jeudi, j'avais mon après-midi de repos. Déjà, j'en ai profité pour me reposer, mais si j'avais voulu aller faire des courses, c'était pas possible. C'est pour ça qu'on nous met des gardes 120 heures. C'est justement pour limiter le contact et les sorties. Donc du coup, on fait des gardes 120 pour des repos 8 jours. Donc comme ça, ça évite le contact avec l'extérieur. Il existe des annuaires téléphoniques et des annuaires internet pour les soignants, pour le soutien psychologique aux soignants. Voilà. Je ne sais pas à quel point c'est saturé encore. Oui, ce que je disais à BFM, qui n'a pas été diffusé, et je comprends bien qu'ils n'avaient pas envie de diffuser ça, ce n'était pas leur sujet, c'est pas mon propos, ce n'était pas du tout de dire qu'on m'avait censuré, mais ce que j'avais dit à ces deux journalistes, c'était que on parlait donc toujours de la rhétorique de la guerre et tout ça, et bon, je n'ai pas voulu parler de guerre spécialement, mais en tout cas de bataille, et je disais, bon là, on livre une vraie bataille contre un virus, pas seul, mais pas épaulé comme on devrait, et qu'ensuite une autre bataille donc commencerait contre le gouvernement au sortir de cette crise. Et ça me paraît évident parce que on entend beaucoup de promesses, voilà, mais pas chiffrées. On entend beaucoup que on va être revalorisé, que les carrières vont être revalorisées, qu'on est des héros, etc. Mais il faudra rester vigilant parce que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui on nous applaudit aux fenêtres. Et encore une fois, je suis vraiment reconnaissant aux gens qui font ça. Je pense que les gens ont besoin de contribuer globalement à ce qui se passe à l'hôpital, donc motivent leurs soignants. Et je trouve ça tout à fait logique et normal qu'on ait envie de le faire. Mais j'espère de tout cœur, mais je sais que c'est aussi beaucoup demandé aux gens qui nous soutiendront désormais dans nos revendications et qu'on aura derrière nous un vrai soutien populaire, parce que nous, à la différence de certaines professions, lorsqu'on fait grève, ça n'a aucun impact sur l'économie. On est obligé d'être au travail, donc on ne paralyse rien quand on fait grève. On est quand même en train de travailler, on fait la même chose que d'habitude.
juste on n'est pas content, mais on est là. Donc on va avoir besoin des gens qui nous applaudissent sur Snapchat, j'espère qu'ils descendront avec nous dans la rue, mais on continue à faire les mêmes erreurs qu'au début de la pandémie, c'est-à-dire qu'avant on se croyait intouchable, maintenant on voit bien qu'on est touché. La Terre entière et la France entière a une opinion sur comment il faut, quel médicament il faut donner aux patients et de quelle façon il faut prendre en charge les patients atteints du coronavirus. Je pense qu'il faut... Il faut faire un peu confiance, il est vraiment important de faire confiance maintenant à son système de santé publique et lui donner toutes les chances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des recherches sur plusieurs molécules qui pourraient favoriser la guérison ou la rémission du coronavirus. Donc il faut rester modeste par rapport à ça. J'espère que les gens vont arrêter de porter au nu ou de descendre des personnes qui lancent des trucs en l'air. Enfin, je veux dire, on voit des politiques, je pense à Estrosi qui a commencé à commander de la chloroquine ou je sais pas quoi et à autoriser lui-même l'usage de chloroquine à l'hôpital alors qu'on n'a aucun recul et qu'on ne sait absolument rien de cette molécule. Je pense que, enfin voilà, j'espère qu'au sortir de cette pandémie, on arrêtera de péter les plombs pour un oui ou pour un non, mais qu'on sera vraiment très très sérieux dans nos habitudes. C'est-à-dire, voilà, il y a une pandémie, on n'est pas plus fort que les autres, on se cloître chez nous, on attend, on regarde et on se calme. Parce que là, aujourd'hui, on en voit des gens qui gueulaient déjà depuis un an et qui sont épuisés depuis un an, se battre à nu, quoi. Voilà. Il est légitime de se demander si les soins pourront être dispensés à long terme. Et en écoutant les différents et différentes acteurs et actrices de ces hôpitaux, il ne faut que très peu de temps pour comprendre que la situation est critique. Il est encore impossible de savoir combien de temps l'hôpital public tiendra et s'il pourra dispenser de la même qualité de soins pendant la totalité de la crise. Cette crise n'impacte pas que la capacité de soins. Le 16 mars, Emmanuel Macron a annoncé un confinement strict sur le territoire national. Cette décision a donc chamboulé de nombreux secteurs, et notamment celui de l'éducation. Donc en fait, la crise elle est gérée par le ministre, en lien avec les services du Premier ministre et du ministère de la Santé, mais aussi en lien avec les recteurs d'académie. C'est une crise qui est très très évolutive. Elle a commencé, elle était très localisée, et puis elle s'est par étapes brusquement généralisée. Donc les directives qu'on a reçues et transmises sont finalement, on est extrêmement nombreuses et variées, parce que la situation a évolué du tout au tout. Le ministère a activé sa cellule de crise depuis la fin du mois de février. Alors le rôle d'une cellule de crise, c'est de concentrer le flux d'informations, de le vérifier, de prioriser aussi les problèmes qui se posent et d'anticiper un certain nombre de scénarios possibles, de décider. Et puis une fois que les décisions sont prises, de les communiquer à l'interne, à l'externe, et puis de vérifier aussi la mise en œuvre des directives et leurs effets sur le terrain. Chacun a trouvé un rythme, plus ou moins. Voilà, si j'en crois les collègues. Moi, mon rythme est assez simple, hein. Je fais de la visio avec quelques classes de temps en temps, mais pas trop. Et ce que je fais en général plutôt, c'est que je donne du travail sur mon emploi du temps pour la séance suivante. C'est-à-dire que je respecte l'emploi du temps que vous avez quand vous étiez au Wiki. Puis, une fois que la séance arrive, je mets en ligne une vidéo de correction, des exercices ou une vidéo d'explication du cours. Pour alléger le travail des élèves, je leur donne une fois par semaine une tâche à faire qu'ils me rendent, parce que sinon ça leur fait beaucoup beaucoup trop de choses à travailler et ça les stresse encore plus. Alors le micro-lycée, c'est déjà une entité assez particulière à la base, parce que nous on reçoit des élèves qui ont décroché, donc depuis un an minimum, des fois ça peut être 5 ans, et donc on essaye de les aider à raccrocher pour qu'ils puissent réintégrer une terminale de cursus classique. On est une petite équipe, on est 7 professeurs, donc on est habitué à travailler vraiment ensemble. On a des réunions toutes les semaines, on communique énormément, on a du tutorat avec les élèves déjà à la base. Donc ça nous a permis déjà en amont de se coordonner. Donc avec au micro-lycée, en fait, on envoie chaque jour, chacun notre tour, des travaux à faire. Et puis on continue à suivre nos tutorés en les appelant. Mais c'est très différent et c'est très chronophage, parce que c'est vraiment beaucoup répondre à des mails, du coup se répéter, parce qu'au lieu de pouvoir expliquer une fois devant la classe, on se répète déjà à la base, mais là, on se répète élève par élève. Et puis, il manque le contact avec les élèves qui fait que ce métier est aussi enrichissant et intéressant. Alors, la situation décuple les heures de travail, effectivement, puisque la correction numérique est très longue. On n'a pas d'outils pour annoter les copies de manière numérique.
Donc il faut qu'on trouve des moyens. Donc soit on imprime, on corrige, on rescanne et on transmet, ce qui prend énormément de temps. Ou on essaye de se servir des outils de l'ENT, mais on ne peut toujours pas mettre de commentaires sur la copie. On les met forcément à côté, ce qui fait que ce n'est pas des corrections forcément très satisfaisantes. Et moi, j'ai doublé mon temps de correction. Les personnes qui ont des facilités s'en sortent beaucoup plus. Enfin, moi, je sais que je peux très bien apprendre toute seule, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi des facilités, mais qui ont quand même besoin d'un prof. Et où donc moi, des copines à moi qui galèrent quand même et tout... qu'on laissait tomber certains cours parce que elles n'arrivaient pas sans prof. Et après, il y a des retours d'élèves qui déjà de base ont du mal à se mettre au boulot. Et puis là, il faut rien, quoi. Je pense que au lycée, ça reste à peu près la même charge de travail. Je pense que le niveau le plus difficile à suivre en télétravail avec la classe virtuelle, c'est le collège. Parce que vraiment, les élèves manquent de repères, manquent d'autonomie, ne savent pas servir forcément d'un ordinateur. C'est clair que l'enseignement à distance ne vaut vraiment pas de l'enseignement en présence. On a des comptes WhatsApp, des groupes WhatsApp qui ont été créés avec plusieurs profs. Les relations prof-élève sont carrément plus détendues, c'est-à-dire qu'en plus, on passe par le message ou les audios, mais il y a tous les élèves et les profs qui sont mélangés. Et il n'y a pas forcément tellement de retenue de la part des élèves. On sent que les profs sont là et il n'y a que de la bonne volonté et de la bienveillance, quoi. On a surtout les profs. On a aussi des CPE qui nous ont appelés et tout. Enfin, moi, j'ai mes deux CPE qui m'ont appelé pour savoir comment ça se passait. Le bac, ils seront jugés du coup, d'après ce qu'on entend, enfin, d'après ce qu'elle nous dit, ils seront jugés sur les notes. Premier, deuxième trimestre. On sait qu'il n'y aura pas d'épreuve écrite, il n'y aura pas d'épreuve orale. En fait, on n'aura aucune épreuve, même au niveau des épreuves en option. On sait que pareil, il va y avoir un suivi et tout, mais les autres options, donc les personnes qui font compris une deuxième option, genre par exemple sport, on a besoin d'une évaluation supplémentaire parce qu'on n'a pas eu de cours. Je ne sais pas trop comment on va faire, on n'a toujours pas d'infos. Il prendrait juste au troisième trimestre des appréciations des professeurs pour voir par exemple si tu as 9,9 de moyenne générale. C'est arrondir à 10 pour avoir ton bac si, par exemple, il pense que tu le mérites avec ton attitude et ton assiduité. En fait, ça dépend des gens parce que c'est peut-être un peu plus juste dans le sens où si tu travailles toute l'année, tu mérites ton bac. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est pas juste, du coup, pour ceux qui ont des difficultés en classe et qui comptaient sur le bac pour vraiment se dire qu'ils travaillent à fond le mois d'avant et puis... peut-être réussir à cette occasion-là. Parce que les profs ne voient pas toujours si l'élève travaille. Et du coup, je ne trouve pas ça très juste que ce soit eux qui décident si tu mérites ton bac ou pas. Ça peut être très clair pour certaines personnes, mais je trouve ça assez flou, par exemple, dans mon cas. Parce que je ne sais pas comment ils vont compter les moyennes. Je ne sais pas s'ils vont faire, par exemple, la moyenne du deuxième trimestre plus la moyenne du premier plus la note de bac de français divisée par 3. Ou s'ils font matière première, genre maths, puis tout ça. Et du coup, moi, par exemple, je sais que je passe de 9,5 de moyenne à 9,8, tu vois. Je pense que ça peut faire la différence. Donc franchement, personnellement, je ne sais pas du tout si j'ai mon bac là. Ce qui est embêtant, éventuellement, c'est qu'il y a quelques élèves, pour des raisons diverses, ont peu de notes, par exemple, sur l'année, parce qu'ils ont été absents, malades, je ne sais quoi. Alors là, ça va être compliqué pour eux. Moi, mes inquiétudes, elles vont plutôt sur Parcoursup et sur la sélection des élèves. Qu'est-ce qui sera pris en compte? Comment va-t-on faire? Là, c'est là la grande interrogation. Je pense que le stress, il est surtout sur les collègues qui sont en BTS. Pour mes collègues de bac pro, c'est très stressant parce qu'eux, ils ont vraiment de la pratique à valider. Et du coup, les questions, il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir valider leur diplôme. Effectivement, on a des injonctions qui ne sont pas simples, dans le sens où on nous demande de mettre en place du jour au lendemain une continuité pédagogique. On nous demande d'utiliser les outils institutionnels et pas d'autres outils, avec un nombre de connexions qui n'est pas habituel pour les outils qu'on utilise, justement. Parfois, ça ne fonctionne pas bien, surtout au début, maintenant c'est de mieux en mieux. Ça a été un vrai problème la première semaine. On a dû repasser par l'ancien système de Pronote, qui a permis de récupérer presque tous les élèves, ou du moins les coordonnées des parents, ce qui fait qu'on a appelé les élèves qu'on ne pouvait vraiment pas joindre. Moi, j'ai expérimenté une solution déconseillée, mais qui marchait, donc Discord, forcément, mais qui pose plusieurs problèmes au niveau de la protection des données. Alors maintenant, ces outils sont pas, ils sont pas non plus prévus pour ça. Donc ça pose des problèmes. Par exemple, la classe virtuelle dont on parle beaucoup, c'est une classe sur laquelle on peut se connecter en ayant simplement... un lien
Donc ce lien peut être donné à n'importe qui, et des collègues qui ont des intrusions d'élèves ou même d'autres personnes dans leur cours, ça arrive fréquemment en fait. Donc c'est un outil qui n'est pas sécurisé pour nous. Donc effectivement, on est au travail, mais chez nous. Et donc, qu'il y ait des intrusions qui peuvent être malveillantes, hein, des insultes, des choses comme ça, ça peut être assez violent. Hein, on est finalement dans notre milieu privé, même si on est au travail, et se faire insulter par quelqu'un qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'a aucun moyen de savoir qui c'était, ça peut être effectivement très, très déstabilisant. La semaine de reprise de la rentrée, elle aurait dû servir à anticiper ce confinement, en fait, pour qu'on se mette d'accord, pour qu'il y ait des directives, pour éviter la surcharge de travail des élèves à la maison et guider les parents un peu mieux, parce que là, tout le monde s'est retrouvé démunis. Pour les parents qui exercent le télétravail et qui doivent en plus suivre la scolarité de leur enfant, ça nous met dans des situations quand même assez difficiles, parce que on doit forcément essayer de suivre au mieux la scolarité de notre enfant pour ne pas qu'il décroche, sans pour autant donc le surcharger non plus. Et à côté de ça, donc assurer notre tâche. Donc ça fait des journées qui sont assez longues, et finalement le confinement, ça peut être assez fatigant, paradoxalement. Les mesures ont compliqué la situation pour les futurs travailleurs et travailleuses, mais également pour les actuels. Et la crise met en péril toute l'économie nationale. Évidemment, cette situation, elle va avoir énormément de répercussions dans le futur. Et on va s'en rappeler comme on s'est rappelé de la crise d'après 45, comme on s'est rappelé de la crise d'après 2008, et ça aura forcément des répercussions. Sinon, il y a des secteurs qui marchent plus du tout. Il y a des secteurs qui, bien sûr, qui en pâtissent, évidemment. Donc, tout ce qui était lié, par exemple, au fast-food, à tout ça, malgré les efforts des services de livraison à domicile, les restaurants, bien sûr, les cafés, les petites boutiques, tout ça, c'est effectivement des secteurs qui pâtissent énormément de la crise. Mais il faut aussi comprendre, et malheureusement, c'est un sacrifice qu'on est en train de faire, hein, c'est volontairement un sacrifice qui est en train d'être fait, c'est que c'est des entreprises qui ne participent pas majoritairement à la création de PIB, enfin à la création de croissance en France, et qui ne sont pas spécialement majoritaires dans la formation de son PIB. Dès lors que les grands groupes ne sont pas encore impactés, il n'y aura peut-être pas encore de décision d'envergure qui sera prise pour conjoncturer ce genre de vice de la crise, de ceux qui sont en fait les premiers touchés, c'est-à-dire les petits producteurs, les PME, voilà. Et malgré ces petites aides qui sont données, c'est clairement pas suffisant. Tout le monde a annulé, et puis on ne peut voir personne d'après les derniers échos qu'on a eus. Là, pour l'instant, si on est arrêté 6 semaines, c'est pas compliqué, je ne vais toucher aucun euro de salaire. Le problème, c'est qu'apparemment, il y aurait 3 conditions pour qu'on touche des indemnités journalières. C'est soit on est directement touché par le virus, soit on a été en contact avec quelqu'un qui a été touché par le virus. Et après, il y a une troisième possibilité, mais qui est très floue, et donc il va falloir que j'appelle. C'est si on est obligé de garder un enfant, enfin son enfant de moins de 16 ans, puisqu'il ne peut plus aller à l'école. Donc oui, là, c'est difficile, puisqu'on nous parle pour l'instant juste de recharge et non pas d'exonération de charge. Et report de charge, ça veut dire quand même qu'il va falloir les payer. On voit très bien que, par exemple, sur Le Mans, toutes les salles de spectacle ont été fermées, comme je pense à Antares. Les manifestations de foot, de basket aussi également. Donc ça a un énorme impact en termes économiques pour le moment sur des entreprises de moyenne et petite taille. On le ressent directement. Alors normalement, nous, on doit faire 40 heures. Là, on va être payé 35 heures. Après, c'est tous les tickets restaurants, les primes vont sauter, donc ça a un impact financier, oui. Pour le mois prochain, les toutes petites boutiques, en fait, on n'est pas sûr pour l'instant d'avoir le chômage partiel, parce qu'on a tous les comptables pour les petites enseignes, ou même les commerces indépendants, etc. On est super de refus pour avoir droit au chômage partiel, donc normalement, ça devrait être mis en place, mais pour l'instant, dans les faits, il y a beaucoup de gens pour qui ça va être compliqué
d'être payé. C'est le patron qui doit avancer du coup la paye de sa poche, entre guillemets, et qui doit se faire rembourser ensuite par la sécu. Bah, financièrement, on attend tous la paye, honnêtement, hein, parce que voilà, et puis on sait bien qu'elle va attendre un peu plus tard. La sécurité financière, moi je l'ai parce que je suis titulaire. En revanche, les collègues qui sont vacataires, je ne sais pas pour eux comment ça se passe, puisqu'ils ne peuvent, ils sont payés à l'heure, donc ils ne peuvent pas assurer leurs heures de cours. Comme ils signent des contrats au mois, donc je pense que le premier mois a été payé, mais pas les autres. Je pense que ça va être compliqué financièrement au début pour les entreprises, parce que mine de rien, il y a quand même un mois et demi qui saute. Et c'est quand même pas négligeable, sachant que bah, le loyer, il tombe quand même. Les fournisseurs, il faut toujours les payer. Il y a pas mal de choses qu'on va devoir payer alors qu'il n'y a pas de rentrée d'argent pour la boutique. Tout ce qui est commerce, chaîne, autre qu'alimentaire et des premières nécessités, le redémarrage va être compliqué. Mon patron m'a dit, par exemple, qu'il allait devoir faire un emprunt pour pouvoir continuer à avoir un minimum de stock pour lui et pour pouvoir nous payer. Pour vraiment expliquer plus précisément comment on en est arrivé là, c'est difficile. Alors, la crise, en fait, en termes de définition économique, on pourrait presque l'associer à une perte générale de confiance dans le système à la fois économique et à la fois financier. Généralement, le problème vient du système financier qui impacte le système économique. En suivant quand même relativement bien ce qui s'est passé avant. Quand on considère la crise de 29, quand on considère la crise, l'après-guerre de 45 et les politiques de récession économique engagées depuis les années 70, on se rend compte quand même que fondamentalement, ce qui cause quasiment toujours les crises et ce qui en fait est par nature générateur de risques, c'est de financer le système économique uniquement par des acteurs privés sans réglementation. Comme aujourd'hui, on ne sait pas si les activités vont réellement reprendre le 11 mai ou s'il va y avoir des ralentissements qui sont encore à prévoir. En fait, les actionnaires veulent récupérer leurs capitaux parce qu'ils ne savent pas qui va devenir, clairement. Bah oui, effectivement, il y a un risque à un moment. Il y a un risque conjoncturel que tous ces capitaux soient retirés en même temps et qu'on aboutisse sur une crise non pas à moins 8% de croissance, mais quelque chose de bien pire. En 45, on n'était pas à moins 8% non plus de moins de croissance. Hein. On était à 0% de croissance du tout et on savait pas du tout ce qu'on allait pouvoir produire l'année prochaine. On est tous dans la même situation, on va tous avoir besoin d'énormément de capitaux en même temps. Donc, ça entraîne deux choses. Soit, effectivement, une injection qui est massive dans l'économie, comme je veux dire, dans le système productif, mais surtout, dans la consommation et dans les débouchés, avec une facilitation de l'emprunt pour les entreprises pour pouvoir emprunter de l'argent qui va permettre d'être réinvesti dans le système productif pour pouvoir satisfaire cette nouvelle demande, mais qui doit être quelque part au début artificielle. Qu'on aura beau injecter des milliards et des milliards dans la structure productive, si aucune aide financière n'est donnée aux ménages, ça ne sert à rien. C'est de l'argent qui va partir à l'étranger ou rentrer dans les poches des actionnaires pour faire du profit. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est une question. À l'échelle nationale, on pourrait très bien dire bon, on va taxer plus, on va effectivement essayer de récupérer cet argent sur un impôt qui serait supérieur, mais évidemment, ce serait contre-productif au sens où ça recréerait encore plus de perte de confiance des actionnaires envers les systèmes de production et ce serait pas du tout bon à long terme, ni même à court terme. Déjà, l'augmentation de l'impôt, c'est quelque chose qui est, en tout cas sur les entreprises, c'est quelque chose qui est pas spécialement pertinent économiquement. Après, est-ce qu'on peut pas remettre en place des impôts qui paraissaient plus justes dans un sens, mais surtout des impôts qui rapportaient énormément, comme l'ISF par exemple. Maintenant, je pense que dans le contexte dans lequel on est global, c'est pas du côté des taxes qu'il faut se tourner. Si on est tous dans la même situation en Europe, c'est pas un problème de recréer de l'argent. Ça n'a jamais été, en fait. Où l'argent sera prélevé, pour une crise de cette envergure, il sera probablement créé vraiment à partir de rien. De nombreux secteurs sont au ralenti, voire à l'arrêt. Cependant, pour le maintien de notre société, il est nécessaire que certains continuent de fonctionner. C'est notamment le cas pour le secteur de l'alimentation, provoquant une situation inédite dans les lieux d'approvisionnement alimentaire. Nous, on n'a pas du tout de télétravail.
Donc on se déplace totalement en magasin. Télétravail, ça fait partie pour le siège de l'entreprise, mais pas pour les personnes travaillant en magasin. Ma hiérarchie met vraiment bien en place tout ce qui est distance de sécurité. Il n'y a jamais trop de personnes dans le magasin, ils font la queue dehors, etc. Donc ça, c'est vraiment bien respecté. Nous, en personnel de caisse, au début et maintenant, tout le personnel du magasin, on a tout ce qu'il faut, on a des gants, on a des masques, on a tout ce qu'on veut, on a beaucoup, beaucoup de gel hydroalcoolique aussi, donc ça, c'est plutôt bien. Le premier lundi, là, au début, le lundi de la folie, la veille du confinement, où tout le monde s'est jeté sur la nourriture, etc. Il n'y avait rien du tout. Il y avait les deux caisses ouvertes qui tournaient à fond, les clients qui étaient collés les uns aux autres, etc. Et nous qui n'avons rien du tout. Mais on n'avait pas encore pris conscience à ce moment-là du véritable danger. Et au fur et à mesure, ouais, je commençais à dire mon chef direct du magasin qui va un vrai danger. Du coup, on a commencé à mettre en place des affiches tout simplement sur la porte du magasin. Donc, on fait rentrer les clients 5 par 5, entre guillemets. Moi, j'accède uniquement à mon chef de magasin qui me donne des ordres directs. Mais au-dessus, je ne peux pas leur parler, quoi. Et eux, au-dessus, bah, pour le coup, ils nous prennent un peu pour des manquants, quoi. Là, ouais, pour avoir un flacon de gel hydroalcoolique le 28 mars, ouais, bah, mon chef de magasin, il a gueulé pendant une semaine. Et on a reçu ça. C'est pas plus compliqué de travailler physiquement, parce que ça, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est toujours passer des articles en caisse, donc c'est pas agréable, mais c'est pas non plus très compliqué. Mais par contre, psychologiquement, ouais, c'est un peu plus hardcore parce que déjà, on a le côté la peur d'être malade, parce que même si on est protégé, même si on peut jamais être sûr à 100% qu'on va pas tomber malade, quoi. Donc il y a déjà ce côté-là. Et puis, il y a surtout le côté où les gens ont peur, les gens sont à cran. Et nous, en tant que personnel de caisse, on est les personnes qui voient, en fait, dans le magasin. On est le cahier des doléances, quoi. Donc, dès qu'ils peuvent se plaindre, ils se plaignent. Enfin, on s'est pris des insultes, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment pas facile psychologiquement. À la base, je suis étudiante, donc je travaille que le week-end. Avec la fermeture des universités, j'ai demandé à ma supérieure de faire des heures supplémentaires parce que du coup, j'avais moins de travail à faire et j'ai besoin d'argent forcément puisque je suis étudiante. Donc ça a tout de suite été accepté parce qu'elle a compris que de toute façon, ça allait être la guerre et qu'il fallait du monde en plus. Donc j'ai eu des heures sup, donc qui ont été payées comme des heures supplémentaires. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas de changement dans les salaires. Tout fonctionne correctement, tout fonctionne normalement. Les gens qui sont maladie de garde d'enfants, tout est réglé. Pour les personnes en arrêt de maladie, c'est pareil. Et après, on a les personnes qui sont en arrêt pour pathologie. Donc, c'est-à-dire qu'eux sont en arrêt obligatoirement suite à une pathologie qu'ils ont. Certaines personnes, on sait qu'il y a des problèmes de poumons, tout ça, donc ils doivent rester confinés obligatoirement. C'est pareil, donc c'est un système où ils se sont déclarés eux-mêmes sur amélie.fr et donc il n'y a aucun souci, ils sont réglés. Après, le système de prime, eh bien, on attend après le confinement. Normalement, on devrait être doté de la fameuse prime que M. Macron a parlé de 1 000 euros, on devrait doter maintenant au prorata, hein, donc ça va être au prorata entre ceux qui sont en vacances ou ceux qui ont été en maladie entre deux, des choses comme ça. Au final, en fait, on pourrait croire que ça fait baisser le chiffre d'affaires, mais pas du tout. Pas du tout, parce que les clients avant, comme on était un truc de quartier, le panier moyen, ça devait être 10-15 euros. Et là, vu que tout le quartier vient là, en fait, ils vont plus dans les grandes surfaces, en dehors de la ville ou quoi. Parce que on est confiné, donc en fait on a un meilleur chiffre d'affaires qu'en confinement. Le panier moyen il est passé à 70-80 euros, un truc comme ça. Et on a seulement deux fois moins de clients tous les jours. On jette énormément de nourriture aussi, parce que les gens achètent vachement plus de marques et ils vont plus prendre par exemple de sandwichs à emporter, ils vont plus se faire à manger ou quoi. Et il y a toutes ces sous-marques, ces sandwichs machin préparés, ils partent à la poubelle. Là, franchement, ça fait 10 mois que je travaille là-bas. On n'a jamais autant jeté en 2 semaines, quoi. Franchement, je ne sais pas du tout si ça va être de pire en pire et que les gens vont penser que, vu que le confinement continue, on ne sera plus livré, que du coup, ça va encore se ruer sur les magasins pour acheter des tonnes et des tonnes de produits, ou si au contraire, les gens vont s'habituer à la situation et c'est bon, ça va passer, la crise de panique va passer, quoi. La situation est complexe pour les personnes vivant sur le territoire français, mais elle l'est également pour les ressortissants et ressortissantes français et françaises. Je suis actuellement à Oslo dans une résidence étudiante, car je fais un Erasmus là-bas depuis août dernier et qui était censé se terminer en mi-mai. Alors quand le confinement en France a commencé,
On était donc au Costa Rica. J'ai passé mon année en Erasmus en Islande, donc je suis arrivée en août. Et puis, j'ai dû repartir il y a 2 semaines, donc mi-mars, il me semble. Je suis rentrée parce que, en fait, on était en voyage d'ailleurs à ce moment-là. Et en fait, on a entendu les annonces du gouvernement français. Déjà, nous, en Islande, on avait plus de regroupement, plus de cours à l'université. Et du coup, on commençait à se dire déjà que d'être confiné là-bas, ça allait être compliqué. Et puis, on a entendu que le gouvernement disait que pour les Français à l'étranger, il fallait rentrer assez rapidement, parce que sinon, on n'était pas sûr de pouvoir rentrer. Les vols allaient diminuer et tout. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas vraiment le choix, sinon on restait confiné là-bas, quoi. Jusqu'à mi-mars, tout allait bien. Et la France, à partir du 16 mars, a annoncé le confinement. Et là, c'est là où les autres pays ont un peu suivi. Il n'y avait pas trop d'informations des locaux, sauf dans les aéroports où ils mettaient des affiches pour sur l'hygiène, notamment des mains. Ils ont décidé, dans ces pays, au Costa Rica, mais dans tous les autres pays qu'on avait fait d'Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, Argentine, de fermer les frontières, fermer les écoles, parce qu'ils n'ont pas du tout le même système de santé que nous en France, et ils ont beaucoup moins de moyens dans les hôpitaux. Les frontières fermées, on ne pouvait plus avancer dans notre voyage, donc le prochain pays, c'était le Mexique, et on savait qu'on serait bloqué à un moment ou un autre au niveau des avions, parce qu'ils supprimaient beaucoup de vols. Donc, on a décidé de reprendre un vol pour la France dès qu'on pouvait. Et voilà, on s'est dit que même s'il y avait beaucoup plus de cas en France, on serait mieux chez nous, parce que le système de santé en France, forcément, est beaucoup plus performant que les autres pays d'Amérique du Sud. En fait, à Oslo, ça allait très, très vite. Il y a eu pas mal de cas assez rapidement. Comparé à la population, le taux de cas par population était plus important même en Norvège qu'en France. Et pourtant, dans les médias en Europe, on parlait que de la France et de l'Italie. En Norvège, ils étaient vraiment pépousses, quoi. Ils étaient chill. Et du jour au lendemain, les gens ont paniqué d'un coup. Je pense qu'il y a eu un truc un peu anxiogène, parce que du jour au lendemain, les gens se sont mis à flipper. Ils sont allés faire des stocks dans les magasins. Et en Norvège, d'ailleurs, la situation, elle n'est pas du tout aussi stricte qu'en France. Et une fois, j'ai marché jusqu'au centre-ville, parce que moi, je n'habite pas dans le centre-ville. Et en fait, les cafés sont encore ouverts, les magasins de fringues et tout sont encore ouverts. La règle, c'est ne pas être... Enfin, je regardais la distance d'un mètre. J'ai fait le choix de rester à Oslo et de ne pas rentrer en France, déjà parce que ma famille était en Birmanie, car elle fait un tour du monde en ce moment. Et en Birmanie, c'était encore très, très chill, encore plus qu'en Norvège. Tout était ouvert, ils étaient persuadés qu'il n'y avait aucun cas en Birmanie. Et donc, ma famille était dans cet environnement-là, et ils n'avaient pas du tout peur. Et eux, ils se voilaient un peu la face, et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir continuer leur tour du monde, que dans 2 semaines, ça serait passé. Donc, je n'avais pas le choix trop de rentrer en France au moment où j'ai dû prendre ma première décision. Parce que... J'avais pas de famille là-bas, donc si je rentrais en France, c'était pour être confinée avec une famille qui n'est pas la mienne. Enfin, ça n'avait aucun intérêt, quoi. La crise est arrivée en Birmanie la semaine dernière, quoi. Tout a été fermé, on a commencé à mal les regarder parce qu'on s'est dit que, enfin voilà, les Européens, comme il y a eu un peu cet effet-là avec les Chinois en Europe au début. Et puis l'ambassade les a contactés, je crois. Bref, ils ont compris qu'ils allaient devoir arrêter. Et donc, ils m'ont reproposé si je voulais rentrer ou pas. En même temps, j'avais très envie de les retrouver, de retrouver ma campagne, ma chambre et tout ça. Mais c'est pas non plus hyper responsable de voyager et de continuer à diffuser le virus. Là, ce qu'on devrait faire, c'est rester là où on est. Et puis, de toute façon, la situation, elle va être pas nous qu'on soit. Donc, autant rester là où on est. Ça aurait été compliqué de rester confinée parce que j'avais une petite chambre vraiment de 4-5 mètres carrés. Dans tous les cas, je préférais quand même être avec ma famille parce qu'il y avait pas mal d'étudiants qui rentraient, en fait. La grande majorité sont rentrés. Le confinement atteint les êtres humains au plus profond de leur âme. La solitude ou bien l'enfermement avec des personnes dangereuses peuvent provoquer de réelles séquelles. Ce qu'on observe à partir des témoignages que l'on a des gens, c'est qu'il y a une perte de contrôle. En fait, c'est-à-dire que l'humain là est dominé par de l'invisible. C'est-à-dire que le virus, c'est quelque chose d'invisible, et
on ne peut pas donc le contrôler. Et ce qui est difficile pour les personnes qui nous appellent, c'est qu'en fait, elles ont l'impression de ne rien contrôler, rien maîtriser du tout. De par le virus, la maladie déjà, qui ne peut pas se voir, donc, et les conditions de transmission en plus de la maladie sont vraiment floues, enfin, on les connaît, mais là, il n'y a pas longtemps, on a encore entendu que c'était dans l'air, par exemple, donc ça rajoute une couche d'angoisse, donc on ne peut pas maîtriser, encore moins maîtriser cette transmission de virus, cette contagion. Et puis le confinement, où là, il y a une restriction de liberté, notamment sur les espaces extérieurs, donc l'humain se retrouve coincé. Emprisonné chez soi, emprisonné aussi dans le non-contrôle. Il y a des personnes qui se créent des addictions, par exemple, donc un accrochage aux produits, ou alors des angoisses. Il y a des gens qui nous ont appelés par rapport à des problèmes d'angoisse, difficulté à respirer, ou alors la cage thoracique bloquée. Et les personnes nous appellent par rapport à ça. Et ça, on peut le traiter. On peut accompagner les personnes par rapport à ça. En revanche, ce confinement, ne pas pouvoir sortir, ça on n'y peut rien, les personnes n'y peuvent rien, il y a un effet de soumission. Le symptôme, on se le crée, quand on se crée un symptôme, quelque part ça vient de nous et on peut tenter de se guérir soi-même et c'est une grande satisfaction. Alors la solution qu'on propose, c'est de mettre à disposition deux numéros de téléphone, donc de deux psychologues, donc mon numéro à moi et celui de Clémentine, aussi ma collègue. Ce sont en fait des espaces d'échange, des espaces de discussion. Alors par téléphone ou par vidéo, pour aider les gens à s'exprimer, à mettre des mots sur ce qui leur arrive, parce que la plupart des personnes qui nous appellent, en fait, n'ont pas d'espace d'expression. Dans la famille, c'est compliqué, soit elles sont seules, alors là, pour s'exprimer, c'est encore plus difficile, ou alors elles le font avec leurs amis ou leur famille. Il y a des enjeux sentimentaux, des enjeux affectifs, donc il n'y a pas vraiment une liberté d'expression. Ce qu'on propose, c'est un espace de liberté d'expression, donc un espace d'écoute et de liberté d'expression, et ensuite d'échange, évidemment, de conseils. On ne fait pas de psychanalyse, même si c'est notre formation à la base, hein, la psychanalyse, mais on fait plutôt du soutien psychologique. L'espace d'expression permet aux personnes qui nous appellent de trouver elles-mêmes leurs solutions. On les accompagne, mais finalement, on a bien vu, avec les appels qu'on a eus, que les personnes trouvent des clés elles-mêmes, juste en s'exprimant. Voilà, elles s'écoutent, elles s'entendent et finalement trouvent des clés pour aller mieux, quoi. C'est des personnes qui avaient l'habitude finalement d'exister beaucoup à l'extérieur et qui là se retrouvent à l'intérieur, alors à l'intérieur d'elles-mêmes et à l'intérieur de leur appartement ou de leur maison, quoi. Sinon, on a eu quelques personnes aussi qui étaient suivies en psychiatrie et qui n'ont plus de suivi par leur psychiatre ou leur psychologue. Donc c'est comme un relais que nous faisons. Il y a des troubles, des symptômes qui peuvent s'accentuer. Par manque de contact, l'humain peut vite désespérer, se dévitaliser et développer des peurs. Donc ça, c'est ce qu'on craint quelque part, c'est que des troubles s'accentuent par manque de contact. Et surtout par manque de confiance aussi, comme on a parlé, manque de confiance par rapport au gouvernement ou à ceux qui sont censés nous protéger. Donc un vécu d'insécurité. Donc ce vécu d'insécurité, en fait, favorise l'apparition de symptômes. Pour être plus en sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer justement des angoisses, c'est inconscient. On va s'accrocher à des objets, des achats compulsifs sur Internet, parce que ça fonctionne encore, tout ça. Ça peut être aussi des addictions. Ça peut être des tensions aussi, parce que mine de rien, rester confiné avec des personnes que l'on aime, pourquoi pas, hein, ça peut être très bien, mais au bout d'un moment, ce côté vase clos peut abîmer la nature des liens et on peut voir apparaître des tensions fortes, voire des violences. L'idée, c'est de pouvoir exprimer nos peurs et nos colères. C'est pour ça qu'on a développé ces espaces d'expression, pour que les personnes en tension puissent exprimer leur peur et leur colère. Parce que des tensions qui ne s'expriment pas se logent à l'intérieur du corps. Et là, on peut somatiser, développer des maladies auto-immunes, des sentiments de mal-être qui, dans le temps, peuvent conduire à des dépressions. Les espaces d'expression, ce n'est pas que les suivis thérapeutiques, hein, c'est aussi des voies de créativité, des voies de création. Donc c'est pouvoir développer soi-même, trouver des objets d'expression, ça peut être l'art, ça peut être, sans que ce soit forcément esthétique, mais au moins une voie d'expression. C'est sûr que le confinement à long terme
peut développer un pessimisme sur l'avenir, notamment si on regarde la télévision. Donc un des premiers conseils qu'on donne, c'est de ne pas regarder les chaînes d'infos en continu, en tout cas c'est de les limiter, parce que c'est vrai qu'on voit que les journalistes, les experts avec un grand H, là, en fait, sont eux-mêmes pris dans des angoisses, donc projettent en fait leur noirceur à la télévision. Et celui qui cherche des réponses va éponger et va absorber en fait cette noirceur, quoi. Il y a des familles qui vivent dans des conditions difficiles, c'est-à-dire qui sont nombreux dans des petits appartements, qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur et pour eux c'est compliqué. Des familles aussi qui n'ont pas forcément des idées de ce qu'ils peuvent faire avec leur enfant parce que ils n'ont pas beaucoup de repères par rapport à ça. Il y a des familles qui ont déjà du mal à gérer le quotidien, ne serait-ce qu'au niveau financier, pour s'alimenter. Donc, avoir les enfants en plus à la maison en permanence, c'est compliqué. Puis des enfants qui craquent aussi, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller vers l'extérieur. Certains, en fait, vivent des situations familiales qui sont compliquées et ils se retrouvent, en fait, enfermés. Chez leurs parents. Tous ces sentiments sont accentués par une psychose développée chez de nombreuses personnes et provoquant de nouveaux problèmes. Il y a beaucoup d'informations parce qu'on sait que c'est ce que les gens vont consommer et les médias, ils en profitent entre guillemets. Donc ils produisent beaucoup très vite et ça, c'est toujours dangereux pour la qualité de l'information. On dit dans les médias que les enfants sont porteurs du virus, mais ont peu de symptômes. Là, aujourd'hui, j'ai vu passer une étude qui dit que certains enfants, en particulier les plus petits, sont à risque de développer des symptômes graves. Ouais, il y a une psychose, mais maintenant, les gens, ils appellent, mais ils vont avoir mal à la tête 2 minutes, ils vont t'appeler. Ils vont tousser 3 fois dans leur coude, ils vont t'appeler. La crise du Covid-19 est une crise qui ne touche pas que la santé des êtres humains. Au-delà du bilan humain provisoire, que ce soit en termes de décès ou de contamination, la situation mondiale est dramatique. La vie de milliers de personnes est en péril, le taux de chômage explose à travers les pays du monde, les systèmes de santé sont au bord du gouffre et des sociétés suivent le même chemin. Les mesures prises, notamment de confinement, sont nécessaires pour traiter au mieux cette maladie. Cependant, elles sèment de nombreux troubles. Tous n'ont pas pu être cités dans ce documentaire et ceux-ci n'ont pas pu être totalement développés. Des heures sont nécessaires pour parler du quotidien de tous les êtres humains souffrant de cette maladie. Des malades au personnel soignant, de ceux enfermés chez eux ou chez elles, à ceux et celles obligés de sortir pour maintenir le bon fonctionnement de la société. Toutes les victimes économiques, les personnes perdant leur emploi et pour certaines toute leur vie, les personnes demandant l'avortement, les sans-abri ou la situation dans les prisons. Tout le monde souffre de cette crise. Et quelles que soient les décisions qui seront prises, aucune ne pourra être bonne pour l'ensemble de la société. Selon de nombreux spécialistes, cette maladie était prévisible depuis de nombreuses années et inévitable. Cette pandémie, qui bloque le monde entier, a été provoquée par notre mode de vie. Si on ne change pas nos sociétés actuelles, cette catastrophe se reproduira. Le constat semble déjà bien tragique, et pourtant, on peut trouver des points positifs. Des appels au secours qui commencent à être entendus, une nature qui a droit à un temps de répit avec les mesures prises, une possible remise en question. Le monde est à la croisée des chemins entre la fin et le renouveau. Ces paroles semblent à la fois utopiques et pessimistes, mais si le monde, si les gouvernements, si les peuples prennent enfin pleinement conscience de la situation dans laquelle le monde se trouve, et si tous ces acteurs et actrices de la vie humaine veulent le bien de la planète, alors il est encore temps. Il est encore temps de faire entendre la voix des scientifiques et de donner des moyens à la recherche. Il est encore temps de former des gouvernements capables de penser une politique écologique mondiale. Il est encore temps de repenser notre mode de vie. Cela ne se fera pas sans concession, mais si l'espèce humaine souhaite sa survie à long terme, elle doit évoluer.
Thank you.